Ça nous va le faire entendre là, qui apparaît étonnant. Il faut saisir, ou apprendre, mais est-ce que c'est réalité, ou bien tout, est-ce que c'est vrai, ça pral dit, yo? Mais faut que nous disions que nous connaissons le pays d'Haïti, son pays. Eh ben, il vend nous le pas bon papier, et tout le monde, majorité, ou est capable de vivre dans le pays, ça. Il n'y a pas fini bon monde. Faut que nous disions comme ça, surtout, dans l'état, ça, et dans la situation que nous y est, je dis là. Eh ben, question confiance, là. Question sérieuse, son bagage qui vraiment, eh ben, courir loin, haïtien, ces jours-ci. Eh ben, juste pour nous dire que Ariel Henry, je ne j'en dis à là, qui prend décision pour dire que l'armée d'Haïti, AK et PNH là, pour qu'elle mette tête ensemble pour finir avec dossier insécurité qui vient dans le pays. Oui, c'est un bel geste, c'est un bel affaire. Mais faut que nous dire que Ariel Henry, avant même de prendre décision ça, eh bien, complot a déjà monté là contre l'armée d'Haïti avec la police. Eh bien, en pile nèg là, Ariel Henry, surtout qui sous pouvoir cap fait et défait. Nèg yo pa vle pays a gen sécurité, mais si gen sécurité, élection pral fait, Ariel pa chef encore. Eh bien, nèg yo pa jam vle ça non. Mais lorsque Ariel Henry wè que international la refusé pour le voyer et militaire dans le pays d'Haïti, et bien, monsieur, finalement, et bien, fait un coup intelligent, côté dit au que, il pral, et bien, il passe la mi à l'ordre pour mettre tête avec la police pour finir avec l'insécurité, avec la gang qui dans le pays. Alors que Ariel Henry, en réalité, pas ta vle pour le pays a gagné la paix, pas ta vle pour gang yo fini, pas ta vle tout, et bien, pour bandi yo même déposer les armes, ou bien pour bandi yo ta mouri, bah, pays a une chance. Sinon, Ariel pas chef encore. Et si Ariel pas chef encore, Ariel Henry pour aller pour répondre à question sous accusation qui sous doli dans l'assassinat Jovenel Moïse. Est-ce que nous comprenons qui ça que me dit? Eh bien, nous prenons le temps de vidéo. Un expert dans la question politique internationale, Stanley Lucas, pour aller dire nous que, eh bien, qui est un complot qui monte là contre la médaille d'Haïti avec Blanc. Et tout bandit là déjà chita parlé avec Ariel Henry, avec divers autres groupes partout dans le pays. Eh bien, vous dites que pas un problème, si monsieur, déjà lancé la mia avec la police pour finir avec l'insécurité. Mais en réalité, c'est pas ça lié vraiment. En tout cas, continuez frapper, continuez kidnapper pour même l'argent. Donc, son bagage comme ça. En tout cas, on va le faire tant de causer, mesdames et messieurs, nous connaissons sur les TV la caille haïti.com. Et je dis à ce dimanche, c'est finalement, eh bien, week-end là. La, donc, nous allons entrer dans lundi, demain là. Qui pral 20. Et mars 2023, en tout cas, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que bagaille tellement en pile dans le pays, ça finalement, nous ne connaissons qui ça pour nous faire encore. Bonne écoute tout le monde, n'a tout. Mais avant ça, mesdames, messieurs, on nous touche et côté commissaire Muscadet qui, dans l'actualité également, nous avons extrait vidéo pour vous. Commissaire Muscadet qui frappe une fois de plus et Salomon. Nous allons inviter Mounio dans quelques secondes et tendez vidéo ça. Mais je ne vais pas consulter plus de détails et sous arrestation ça. Commissaire Muscadet fait côté que nous voyons que c'est un monsieur avec madame ni également yon petit li. Et semble-t-il que, bon, Théo Tegrata gen alerte sous machine nan, et puis nous connaissons que nan ni plan, pas penser que c'est n'importe monde qui est capable de venir comme ça. Et donc, Salomon, je ne vais pas consulter plus de détails avant que nous prenions vidéo. Amen. Et bien, ça, oui, Jimmy, nous connaissons le commissaire Muscadet, c'est un nègre. Et bien, si nous avons le commissaire Muscadet en d'un pays, au moins ça vient là, et bien, nous pensons qu'il est capable d'aller mieux. Malheureusement, nous parlons de toi, Muscadet, en d'un pays. Et bien, le commissaire Muscadet, vous avez même capable de dire, c'est le seul chef qui a information lorsque le monde a sorti. Dans la question de gang, balancé la Cali, et bien, il y a 6 machines qui vont direction. De la partie là, d'après information qui est jeune commissaire, c'est un bloc village, li sorti, il va aller au caille. Il y a un qui dit tout, c'est l'organe sorti, il y a une femme là-dedans qui est un madame basi. Et puis, là, il a déplacé en traînant, et bien, il est jeune, en parlant de commissaire, et bien, il y a un qui met sur lui, zone pour des nègres, actuellement, là, pour une question responsable. Ça veut dire, encore une fois, commissaire Muscadet, nous, lui-même, en bas côté parle, pendant un nec à piafé dans la zone métropolitaine, lui-même, la vie en haut, la vie en bas, même sommeil, commissaire, pas de temps pour y dormir, ça veut dire, où est un nec qui t'a vu, qui
qui veut passer pour pays, mais malheureusement, il n'y a pas de jeunes, de bois, de l'autre, nègre, qui t'a mis dans son mabelle. Et bien, n'a pas évité de regarder une extra vidéo côté commissaire Muscadet, lui-même qui a porté plus de précision dans le micro, c'est mon affaire. Bon, c'est voilà, mesdames et messieurs, donc on a invité à attendre extrait ça à l'instant même. Et puis, parler comme ça également, nous avons pour nous parler justement avec Stanley Lucas, si tout bagay correct par rapport à réseaux sociaux. Et puis, il y a possibilité aussi, nous toujours dit, dans le cadre d'émission Chanel Moun a fait bon TV, et si par hasard, il y a un bagay qui a une déclaration que nous avons fait, que peut-être qu'on pas trop apprécié, ou nous avons passé un voice, ou t'as dit que, ou t'as pensé que qui pas fini à faire ça, ou t'as voulu comme si pour ton correction, eh bien, c'est ça que média toujours une possibilité pour le bagay, un droit de réplique. Nous avons tant de voice et dans la première édition, côté que un citoyen qui a acquisé un autre groupe, côté que ça semble-t-il que dans la question port, dans la question douane, ça fait longtemps que le produit, les marchandises, li, eh bien, plus de un an, ça veut dire que les marchandises, ça vous pouvez vous recevoir. Nous n'avons pas ces voix sans pour vous, mais plus tard, nous avons pour nous, possiblement, faire une réplique, côté que justement, eh bien, pour nous, pour parler avec les citoyens, ça également, qui va faire réplique là. Mais avant ça, permettre que nous passer commissaire Muscadet pour à l'instant même. Le samedi, donc informé que la machine s'est sortie de l'organe. Le chargé pour les bas, nous avons des plaques là, nous avons des couleurs machines là, nous avons des informations sur monsieur Damien Dalio. Et puisque moi, mon petit coup qui est du Fondé Blanc, nous avons mené l'opération, nous avons appris ça, nous avons allé avec la police. Nous avons barré Saint-Michel, nous avons barré Fondé Nègre, nous avons barré Bequin, pour que nous avons barré. Finalement, il était capable de traverser Bordeaux, il était capable de traverser Saint-Michel, et il n'est pas arrêté du côté de Fodeneg. Donc, pour le présent là, M. Damien est en prison, et la machine là, la percussion de la machine là, pour le voir saliner là-dedans. Next, ça va être passé de coup de gang, qui a opéré dans le bloc de l'organe, si vous voulez, vous voulez. Et bon, chasse pour les gars, c'est la police qui a décepté, nous sommes sur place, nous sommes du côté de Fodeneg. C'est petit, il y a fini l'organe, il faut aller mettre habité au cas du côté de Dexabé. Ça veut dire là. Ok? Ça veut dire. Il y a fini l'organe, il va amener madame à petit à l'habité au cas de Dexabé. Ça veut dire. Vous rejoignez rien? Non, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien, mais surtout, pour nous aller à l'organe, il y a une information sur monsieur, SDPJ de l'organe, il y a une information sur monsieur, et DCPJ pour le presse, il y a une information sur Dexabé. Qui l'a signé? Non. Avec des mesdames. Madame moi n'est pas. Oui. Madame moi c'est ce que moi. Oh. La vie a réponse à dire. Ça a compris. Mais on fait que nous prenons une démarche, à tout le monde, c'est à Paul Barret. Je m'en vais café chez la vie, une ferme mécanique et une son conducteur. Je prends un peu de temps, $30,000, quoi que ça n'est pas dans les machines. Je ne dis tout pas dans les machines encore. Je fais ces activités, je sais que vous voyez des doumbans, qui ont encore une vieille bagaille, tout respirer, tout sentir. Voilà, et mesdames, messieurs, voilà, et notre acteur de commissaire, justement. Une fois de plus, nous félicitons pour le travail là. Et puis, soit pour côté nègre ici, nègre Haïti, surtout. Et là, il a arrêté au conseil, on a dit tout innocent. On a dit tout innocent, mesdames, messieurs. Et c'est raison ça qui fait que nous, commissaire Muscadet, pas non je vais être avec vous. Mais permettre que, mesdames, messieurs, moi, parler avec le commissaire Stanley Luca et le commissaire Le Cowboy. Je vais saluer le commissaire ça et monsieur Valen Jouetou, son autre garçon voyant qui travaille pour le pays. Et je vais saluer ce frère par nous, Stanley Luca, comment vous êtes? Alors, je suis spécialiste en développement politique, je suis commissaire. Je vous souhaite tout chapeau parce que c'est un monde qui tout le monde apprécie en pile. C'est tout la diaspora haïtienne. Il y aurait mes travaux à faire pour la communauté. Hein. Pour chez nous, apprécier ça. Et nous avons gardé pour nous, mesdames et messieurs, pas de semaine, pas de week-end. Et Stanley lui-même, lui là. Et il y a une série de dossiers, il faut commander à une série de monde qui ont connaissance là-dedans. Yo. Donc, Stanley, une fois de plus, nous remercions sincèrement pour l'amour, pour l'engagement à l'égard des pays. Hein. Sandy, tout d'abord, week-end, la Commonwealth, nous avons malheureusement pile l'autre nouveau cas de kidnapping. Et comment est-ce que ça va côté pour vous? Ou car vous prenez une question, moi, s'il vous plaît. Non, nous disons pour week-end, comment est-ce que week-end, et par rapport à Haïti, nous avons malheureusement pile, en, malgré tout ça, nous avons en pile cas de kidnapping, insécurité toujours là. Comment comprendre ça, Sandy? Bon, là, pas gagné de nouveau.
Ça veut dire que moun k'ap dirije l'État yo depuis 20 mois et yo fè un choix politique côté c'est avec deux outils que y a dirigé l'État. Premier outil hein, c'est ça nous relé la gestion des gangs. Ça veut dire que autorité l'État impliqué dans gang yo y a collaboré, y a travaillé avec gang yo et ça avec gang yo que gère population hein. Avec insécurité à que gérer population et deuxième outil de gestion que utiliser c'est ça relais et la répression économique à travers la vie chère. Ça veut dire que en collaboration entre autorités civiles qui dans l'État c'est oligarque qui mettait et puis oligarque qui vient monopole tout manger qu'a vendre dans pays à l'huile, farine, sucre. Ça peut la consommer, même gaz, c'est des monopoles. Donc, à travers la vie chère, bon, répression économique, qui sont modes de gestion politique, tout. Donc, ça, avec deux bagages, ça arrive. Donc, faut pas étonner que gang nous continue à opérer. Oui, malheureusement, faut que nous va étonner, nous. Sans les, malheureusement, nous pas de chance, ils font parler sous ça. Nous, que Ariel, finalement, après que nous, communauté internationale, là, nous-mêmes qui dans la diaspora, nous tous qui avons dit, ou même spécialement qui t'a dit que c'est force l'armée d'Haïti et avec la police qui t'a dû prendre responsabilité. Mais nous, finalement, après plusieurs humiliations, ils décident enfin d'embarquer avec l'armée. Comment on doit comprendre ça, Stanley, frère? Décision ça, et pour qu'on comprenne, pour faire à la fois une analyse historique de sa crise de l'armée et il faut faire une analyse conjoncturelle. Dans l'analyse historique, là, on va dire que monsieur qui est au pouvoir, yo, c'est eux qui ont créé le mouvement de soldats pour aider Aristide Krasé l'armée. Okay. Depuis Aristide Krasé l'armée en 1995, chaque fois dans la société, on parle de reconstruction de l'armée, on fait des blocages institutionnels et des blocages au niveau de l'opinion publique pour que l'armée n'ait pas de bâtir. Et c'est non arrêté, le président Jovenel Moïse vient prendre le 16 novembre 2017. Le président Jovenel Moïse constate trois menaces. Le pays a fait face à lui-même, menace gang yo, et menace montée hégémonique de la République dominicaine avec une minorité raciste de 5% qui t'a aimé font l'autre génocide sous nous même j'ai été fait en 1937 côté où t'es tout 30 000 haïtiens. Et en même temps, menace des désastre naturel, président Jovenel décide que la bâtie la mer. Donc, c'est non, dans le cadre de la défense des intérêts nationaux d'Haïti, le président a arrêté en 16 novembre 2017 pour bâtir la mer. Une année plus tard, en octobre 2018, nous voyons que le président a gagné raison. Parce que le tremblement de terre a fait dans la Tibonite et dans le nord-ouest, quoi ça, c'est pas l'armée blanche. Calé des mondes pays d'Haïti qui était affecté par tremblement de terre, c'était l'armée d'Haïti qui était déplacée dans la Tibonite et dans le nord-ouest à l'aider après tremblement de terre. Mais pendant que le président a bâti l'armée, il était fait face à trois mouvements de sabotage. Premier mouvement de sabotage là, c'est ça l'opposition institutionnelle hein, qui a collaboré dans le Parlement avec SDP. Pour faire tout ça au capable de ne pas jamais bâtir la mer à budget pour rendre possible bâtir la mer pour que la mer atterrisse sous papier et même si tu es un embryon qui t'est formé, mon côté est à pas le craser depuis devant. Malgré l'opposition institutionnelle, le président avancé a bâti la mer. Et deuxième bagage que Negio fait, n'est-ce pas laissé rentrer, infiltrer le pouvoir exécutif sous le président à même réseau politique qui a écrasé l'armée en 1995
pour garder si au cas un contrôle ministère de défense pour ralentir bâti la mer si au pas ralentir pour prendre contrôle lui. Troisième mouvement qui est fait à l'époque là où la mer avait prend forme vraie en février 2020 c'est une manifestation pays lok dans la rue a Dimitri Vob, André Michel, Sergi, avec un écrit les Blaise Roberto, il y a là un tweet pendant la manifestation faite dans la rue Port-au-Prince. Côté sous tweet là, monsieur dit que soldat qui l'a prouvé quartier général là, mais au fait tirer ou tuer plusieurs policiers, et il y a un policier qui tombait. Donc si, je pas voyer renfort rapide avec les unités spécialisées nèg la mais a touyer tout policier qui à l'époque pas gen moun nan gouvernement qui monte sur réseaux sociaux pour dire que tout ça c'est menti c'est fabrication pas gen sa pièce jour ça sans en pile policier avec soldat la médaille qui t'a coulé et nèg t'a pas servi à ça pour craser la mer donc au niveau historique faut qu'on réalise ça. Au niveau conjoncturel, pour montrer que les gens ne sont pas dans l'armée, non seulement les gens pendant 20 mois, les gens ne sont pas l'armée, tout équipement, malgré déclaration, bon colonel l'armée a quitté fait depuis le jeune blindé, le jeune hélicoptère, la place de gang, les gens ne sont pas répondre à sa colonel l'a dit, les gens députés, ils font conseil des ministres, côté au point de décision pour demander intervention militaire, occupation militaire étrangère. Et pour montrer que dans quel exil, dans tête, dans émotion, dans comportement politique, nous ne parlons pas l'État régalien, on l'État régalien qui fort. Pour montrer clairement mode de pensée n'exil qui raille on l'État fort qui a descendu le peuple là, juste à regarder le premier conseil des ministres Ariel Henry, on pays côté soldat Colombie nan complot annex sa yo infiltré entré dans pays nous vinn tuer président nous l'on bagay fin kon sa fin rive n'importe qui responsable politique pour avoir nécessité faut gain intelligence faut gain l'armée faut gain la police ces réactions politiciens normal pour fin tuer président la caillou donc automatiquement on va regarder des infrastructures sécurité pays à comment pour renforcer dans premier conseil des ministres Ariel fait qui t'a pas laissé faire craser agence nationale d'intelligence que président a créé donc depuis les ça ouais que Nexayo a fait l'année ayo pas là dedans du tout donc on fin fait analyse conjoncturelle et historique de comportement Nexayo par rapport à l'année et puis qu'il y a à la dernière minute les blancs dit pas gain blanc qui va venir mourir pour petit nèg dans pays d'Haïti et puis Charles fait discours ça par rapport à l'armée si me commandement l'armée faut faire très attention parce que c'est pas un piège ni faire l'armée tout non bouc émissaire parce que connaissant nèg ça yo nèg yo gain va faire un plan pour aller servir à l'armée comme bouc émissaire l'armée vous pensez lié dans son piège que lié pour mes militaires yo c'est pas penser non c'est ça lié même c'est ça lié même parce que comment on voulait un gouvernement qui n'en gang un gouvernement côté premier ministre n'en gang ministre de l'intérieur n'en gang ministre de la justice n'en gang ministre de la défense n'en gang secrétaire général palais national n'en gang il y a à peu près 30 l'autre monde encore dans pouvoir exécutif qui n'en gang un gouvernement ça va quitter la mécrase gang. Non, mais Kounia, et Sanye, monsieur militaire, c'est une équipe jeune garçon qui est très intelligent, qui est brillant. Bah, quoi que vous pouvez prendre un piège ça, puis nous même tout, faut nous. J'en ai fait la planche à l'aide là, pour ne pas quitter monsieur ça, ou tomber dans un piège ça. Moi, j'espère que vous êtes assez vivant pour ne pas quitter, pour pas quitter Ariel, à jouer avec vous, frère Pam. En général, un militaire patriotique, un militaire de bonne foi, un militaire. Pour la question de sécurité nationale au sérieux, et en général, on militaire par la politique. Connaissant qu'aucun ça, qui depuis 20 mois dans la gang, ne va pas ni la police, ni la mes âmes pour craser la gang, parce que dans l'émission, quand on répond à une question déjà depuis plusieurs mois,
de dou konsa depuis que mon stratégie intégrée depuis acheter zam pour la police à l'armée et y a crasé sans problème gang yo en 4 mois m'bat toujours dou ça depuis longtemps. Oui oui, on parlait de ça vraiment. Donc question qu'on doit poser c'est tout. Pour qui ça nèg yo en vrai moi pas jamais fait stratégie intégrée à et pas jamais acheter zam pour la police à l'armée parce que on en gang. Donc le fait même que jodi si y a nèg yo fait choix pour yo mettre l'armée à nan combat insécurité a commandement l'armée a dû être très prudent pour que nèg ça parce que demain matin l'armée commence à mettre gang à terre connaissant les André Michel les Nenel Cartier les Ariel Henry les Pierre Espérance yo pral dou l'armée dans massacre alors que l'armée c'est gang la met à terre c'est ça. Donc je dis à moi même pense que tout le monde qui rationnel tout le monde qui sérieux en dedans pays a connaît que première étape pour franchir pour craser sécurité à craser tout le monde qui dans gang première étape là faut garantir que leadership politique qui dans tête l'état pas dans gang comment voulez on l'armée après à craser gang les supérieurs hiérarchiques monde l'armée autorité civile qui dans tête l'état ou dans gang comment l'armée va faire craser gang pendant que autorité civile qui nan tête l'état qui c'est supérieur hiérarchique moun qui nan l'armée yo nan gang on piège yo pare pou l'armée la. Donc vous pensez comme si forme de piège que yo pral di pa gen munition et gen matériel yo pral commandé pa recevoir non mais nèg ap chèche un bouc émissaire il nèg yo gen tan gen caisse propagande yo pare là depuis l'armée commencé lagé quelques de gang à terre ou balle douce innocent que l'armée a touillé. Oui. Ça, ouais. Il y a possibilité ou balle de scandale autour de l'armée, ou balle de l'armée a été fait ci, et ou balle de l'armée a été arrêté tel militaire, ou balle de l'on bagaille quand même, mesdames, messieurs. Préparez-nous. C'est ça, monsieur Dola. Il dit que Negio prépare un propagande politique pour faire l'armée à tout non bouc émissaire, pour faire oublier que non seulement Negio n'a touillé président, Negio n'a gang et n'a volé l'État depuis 20 mois. Donc, je vous dis, quel que soit mon capitaine de l'émission là, qu'on est que, dans tout pays côté crasé gang, étape numéro un, c'est leadership politique qui dans l'État, qui va commander la police et l'armée avec intelligence pour crasé gang, yo. Leadership politique ça, qui dans tête l'État, pas qu'à gang. Je dis, nous connaissons à 200% leadership politique qui dans tête l'État, qui là, avec Ariel. Avec tout nèg sa yo que nous connaissons, nèg nan gang. Donc, comment faire l'armée pour détruire gang, les chefs hiérarchiques, autorité civile, cap commander l'armée à li nan gang. On avait dit que, journée jodi a, nèg yo pas laisser sacrifier l'armée a, parce que l'armée a camp en croix. Et, nan tout sa yo gen comme objectif politique, et pas par accident, c'est cool, y'a. Et faut pas habiller tout. Ça nèg yo fait la, pour, le besoin manger moun ki nan l'armée c'est pas par accident nèg yo mete 6 moun nan CSPJ 11 moun pa yo nan cour de cassation ki nan gang avec yo pour que lè ou pa régler bagay la au niveau de la justice pa gen la justice c'est ça relé à la batoire pou pralé jodi a sou pa nan kan assassin et nan kan volé et nan kan moun ki touye président et de boire devant la justice soit victime. Tade ki jan l'autre jour là, nèg yo nan figi nou tout yo la bon escou. Tout moun wè nèg la te nan escou kri. On seul coup de fil, commissaire gouvernement pa met pied puis doit en tribunal première instance vin lagué. Pa gen la justice jodi a pou sa re l'égalité des citoyens devant la loi, va exister la justice nan men nèg yo. Donc ça veut dire que les nèg yo prend décision ça, c'est des moun ki yo pral sacrifier en dans la mer. Donc tout autant que tout le monde qui attend de là, ouais, comment ça fait Salvador? Leadership politique là-bas dans gang, automatiquement, une stratégie intégrée qui vient là-dedans, toute institution dans l'État, qui a boumé contre gang, il est rentré dans la banque centrale, il a acheté 120 millions de dollars américains, il a bâillé la police à l'armée, tout le monde a besoin pour faire une fois gang, pour arrêter oligarque, arrêter ancien président, arrêter lui. Ancien parlementaire, leader politique qui n'a pas de sa descendance là.